Je suis Peter Aspe et je suis né à Bruges, en Belgique. J'écris des livres depuis 1995 et j'écris sur l'inspecteur Vanin et son assistant Versavel et sa femme, c'est le procureur, c'est Hannelore Martens. En flamand, j'ai déjà écrit 32 livres. En français, il y en a deux qui sont traduits. Ma dernière parution, c'est l'affaire du tarot. Il y a eu 3 meurtres et un des victimes, c'était un politicien, l'autre, c'était un curé et l'autre, un colonel. Alors, c'était l'État, l'armée et l'Église. Et il est très vexé par l'affaire et il commence à réinvestiguer l'affaire et ça recommence. Toute l'affaire du tarot recommence 20 ans plus tard. Et alors, il fait une découverte qui est effroyable, mais c'est la fin du livre. Je suis aussi traduit dans des autres langues, en espagnol, en italien. Et 2 semaines passées, mon livre est sorti aux États-Unis. C'est très rare pour un auteur flamand, même pour un auteur européen. Alors je suis très curieux qu'est-ce que ça va faire aux États-Unis. Et maintenant je suis en train d'écrire le 33e livre, c'est avec les mêmes personnages. Ça se déroule à Bruges, presque toujours, mais de temps en temps il fait un petit voyage aussi en France, à Paris, en Italie. Maintenant je vais parler de mon coup de cœur. C'est un livre français que j'ai eu cadeau d'un libraire de Paris. Il m'a dit, il faut lire ça. C'est un livre, il y a 60 pages, je pense. Et c'est L'homme qui plantait des arbres. C'est de Giono. Et c'est le plus beau livre en français que j'ai lu dans ma vie.